dans ce calendrier de l'Avent en mouvement et aujourd'hui on va faire ensemble une petite posture afin de prolonger un petit peu la relax après une séance de yoga, pendant une séance de méditation pour ouvrir un petit peu notre sacrum, nos lombaires, etc. et travailler un petit peu sur cette zone du chakra racine, du chakra sacré. Du coup, je t'invite à avoir une petite brique ici de yoga. Si t'as pas de petite brique, tu peux très bien prendre le dictionnaire, si tu en as encore un à la maison. Autrement, un gros bouquin fera l'affaire, ou des jouets des enfants, un coussin un petit peu costaud, un ballon par exemple aussi pourrait très bien faire s'allonger. Hop, comme d'habitude, par le côté pour venir s'installer sur le dos. Tu t'allonges, tu pivotes. Hop, l'autograndissement. Poussez sur les talons ici pour venir glisser ta petite brique, soit en position basse, juste sous ton sacrum. Et relâchez complètement ici. Étendre ton corps et déjà ressentir un petit peu un petit mouvement détox aussi ici qui fait remonter un petit peu le bassin au-dessus du cœur, ça fait du bien. Si tu te sens très à l'aise, alors tu peux venir mettre ta brique soit dans la longueur sur les sacro-iliaques, hop, ici. Moi, ce que j'adore, c'est de la mettre plutôt ici dans l'alignement de ton sacrum. Attention, tu le places sur le sacrum, pas sur les lombaires. Tu écartes un petit peu les talons et tu peux déposer les genoux l'un sur l'autre, garder les jambes écartées, mettre les mains ici sur ton bassin, sur le ventre, ou alors les étendre ici, paume vers le ciel pour l'énergie du ciel. Tu pourrais aussi très bien étendre une jambe et l'autre pour venir chercher l'ouverture ici du bassin, du psoas qui va avoir bien besoin d'être détoxifié après ses fêtes. Je t'invite du coup à faire cette posture tout au long de l'année. Belle posture de détox. Reste un petit temps, quelques respirations. Tu pourrais y allier aussi un mudra avec tes mains. Quand tu as fini et que tu te sens reposé, détendu, que toutes les tensions se sont relâchées, alors tout doucement, un pied après l'autre, tu vas revenir un talon vers la fesse, puis l'autre. Tout doucement, soulever les fesses, relâcher la brique sur le côté, reposer vertèbre après vertèbre, jusqu'au sacrum. Ressentir le bien-être ici de cette superbe posture pour relâcher chakra racine, chakra sacré, ouverture du psoas, détox, relâchement, apaisement. Allez, après tout ça, oublie pas de liker, de partager et de cliquer demain sur la nouvelle case du calendrier.